Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit un grand artiste, Monsieur Relema. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Est-ce qu'on peut vous décrire comme un pianiste de jazz? Est-ce que c'est pas un peu trop réducteur si je dis que vous êtes un pianiste de jazz? Entre autres. D'accord. C'est vrai, je suis entre autres pianiste de jazz, mais je fais beaucoup de choses qui ne sont pas forcément du jazz. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, j'ai lu que vous aviez donc appris, enfin vraiment intéressé à la musique classique quand vous étiez à l'église et que oui. Vous jouiez donc du Chopin oui. lors des messes, c'est ça? Lors des messes, je faisais du grégorien. On fait pas du Chopin pendant les messes. Oui, ça, j'imagine bien, c'est vrai. Je faisais du grégorien. D'accord. Mais ensuite, on m'a mis au piano parce qu'ils se disaient, à ce moment-là, j'avais 13 ans. Ils se sont dit, à 13 ans, si on veut vraiment le former, il faudrait qu'on le mette sur le piano parce que à l'orgue est un instrument très, très paresseux. C'est pas très, très dynamique comme instrument. Donc, on m'a mis au piano et c'est là que j'ai commencé par le classique, effectivement. Alors, comment vous êtes passé du classique à la musique que vous faites aujourd'hui, qui est effectivement teintée d'un peu de world, un peu de jazz? Comment est-ce que vous avez fait ce parcours? Vous savez, moi, je suis originaire du Congo. Donc, au Congo, tout ça, quand j'ai commencé, c'était au petit séminaire. Je voulais devenir prêtre, en fait. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai quitté le séminaire pour des raisons personnelles. Je suis toujours croyant, mais je préfère être sans religion. Voilà. Et donc, quand j'ai quitté le séminaire, je n'avais plus ni piano, ni orgue. Et je me suis mis à la guitare. Je suis devenu petit à petit un rocker. Parce que j'ai commencé d'abord à la guitare, j'ai commencé par le rock. Et j'ai travaillé dans une boîte de nuit de Kinshasa où il n'y avait que la clientèle était simple, tout le temps des expatriés qui amenaient leurs propres disques pour qu'on les interprète dans la boîte de nuit. Ce qui fait que j'ai commencé de faire des standards de jazz, du tango argentin, de la musique congolaise puisque j'étais au Congo. Et c'est ça qui m'a donné ce goût de jouer. De jouer toutes les musiques. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet album Transcendance? Transcendance, c'est un peu pour moi l'album de ma maturité. Là maintenant j'ai dépassé les 70 ans et avant on était toujours en train de me dire ah, mais Ray, il faut faire attention parce que là on va te mettre dans quel bac à la FNAC. Il faut que tu sois world. Bon, donc, je faisais des efforts pour être world. Et ensuite, non, tes morceaux, maintenant, ça commence à tirer un peu jazz. Bon, donc, va complètement dans le jazz. Je vais dans le jazz, ainsi de suite. Et puis, pour cet album, je me suis dit, non, quand même. Hein, je ne vais pas continuer chaque fois à travailler pour les bacs de la FNAC. Voilà, je peux pas continuer. C'est une belle formule, ça. Mais non, vraiment, un artiste ne se développe pas en pensant tout le temps au bac de la FNAC. Donc je me suis dit, je vais faire durer les mains. Et c'est cet album-là. C'est pour ça que j'ai appelé ça Transcendance. Je transcende les appellations, quoi. Bravo. Bon, en tout cas, les amis, maintenant, ça va vous faire une idée, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Monsieur Relema en live en acoustique avec Cédric, avec une très très jolie chanson, accompagnée elle a aussi à la guitare, donc piano, guitare, chant. Il y avait à la guitare donc Rodrigo Viana. D'accord, voilà, qui vous accompagne à la guitare. On va écouter cette petite merveille. Monsieur Relema en live en acoustique avec Cédric. Thank you.
marche depuis 10 jours, il marche à tout prix. Sans possible retour, il marche à l'infini. Il marche et se cogne, il marche en colonne. En nombre indéfini, il sait ceux qui ont fui. Il marche depuis 10 jours et depuis tant de nuits. Sous les regards sourds, il marche vers la vie. Ils ont marché sans fin, nous les inviterons à rebrousser chemin en prenant le rayon. Depuis tant de nuits, sous les regards sourds, ils marchent vers la vie. Ils ont marché sans fin, nous les inviterons à rebrousser chemin en prenant le rayon. Ils marchent depuis 10 jours et depuis tant de nuits. Sous les regards sourds, ils marchent vers la vie. Ils ont marché sans fin, nous les inviterons à rebrousser chemin en prenant le rayon.